Et on va accueillir Soul City, Soul City du Haras du Saz, qui nous est présenté par Nicolas Simon. Vous connaissez sans doute le principe, une course référence pour un produit de l'étalon ou pour l'étalon lui-même, si c'est un étalon débutant, et place à l'étalon ici sur le ring. Et là, en l'occurrence, la course de référence, c'était une fille de Soul City, c'était Jazz Melody, l'une de ses bonnes gagnantes en 2017, qui a gagné un bon handicap en battant des Kazakhs classiques. Vous l'avez vu, elle avait battu des représentants Abdullah, des représentants Vertemer. Cette Jazz Melody, une des bandes gagnantes de Soul City l'an dernier avec Sirma Traoland, entre autres. Soul City, le premier fils d'Elusive City à rentrer étalon. C'était déjà au Haras du Saz, entraîné par Richard Dannon Senior, le champion entraîneur en Angleterre à 4 reprises. Il était monté souvent, la plupart du temps, par Richard Hughes, les hommes de Canford Cliffs, Olympic Glory, Sky Lantern. À l'âge de 2 ans, il avait gagné au mois de juillet, dès le mois de juillet, assez précoce donc, pour ce Soul City à Newmarket. S'il vous plaît, 3 victoires ont ensuite suivi. Il y a eu le prix François Boutin à Deauville, qui est une listed, le prix La Rochette, un groupe 3, en battant Milanais et Jukebox Jury. Et par la suite, son entourage a choisi l'appât du gain, puisque Soul City a participé et bien sûr remporté le Goff's Million, qui, contrairement à son nom, le gagnant ne reçoit pas 1 million d'euros, mais presque 985 000 euros. Soul City qui fait la montée au Haras du Saz à 1500 euros. La saillie, c'est un bet, 1m65, Soul City.